Déterminé à répondre aux besoins sociaux de sa base, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord, l'honorable Kaouma Mayonde, questeur de l'Assemblée provinciale de Lualaba, a concrétisé un acte de grande importance à la cité Lualaba Gare. La population qui a longtemps peiné pour s'approvisionner en eau potable peut respirer aujourd'hui, grâce à un puits d'eau financé par lui, dont l'inauguration a vécu le dimanche 1er août 2021. Alors, comme nous sommes dans les régimes à l'époque du peuple d'abord, ça coïncide avec notre vision des FIDEC qui parlent de l'amour. Aujourd'hui, il était de bon alors pour que je puisse venir donner quelque chose à ces peuples. Bon, j'ai fait un puits de l'autre côté pour que ne fût-ce que la population ait de l'eau, parce que l'eau pose problème dans la province de Lualaba. Particulièrement ici à la cité de Lualaba, nous avons un sérieux problème en matière de l'eau potable. Je me suis dit, je vais faire un puits pour quand même essayer tant soit peu d'apaiser cette population qui manque de l'eau. Faisant une pierre de coups, c'est au cadre de FIDEC a assisté à l'inauguration du bureau de sous-section FIDEC Mupanja qu'il a financé et équipé. Bien avant, l'honorable Roy Kaoumba a soutenu les finalistes des 5 écoles de la même cité Lualaba Gare en provisions alimentaires et autres pour leur séjour à Kolwezi afin de prendre part aux Exitats édition 2020-2021. Aussi, plusieurs sacs de ciment ont été remis à l'église Sion pour le finissage des travaux du temple et au centre de santé Afia du village Kaponda. Toujours dans la même optique de finissage des travaux. Des actions similaires seront menées partout à Mutchacha pendant ces vacances parlementaires.